Toi qui rejoins cette chaîne, une fois de plus, sois la bienvenue. Je vais tout simplement te dire que le Canada recrute en Afrique. Il y a un grand recrutement du Canada en Afrique. J'ai déjà eu à faire deux vidéos dessus. Une vidéo où je te montrais dans quel domaine le Canada va venir recruter en Afrique le 25 juin. Et dans une autre vidéo, je t'ai montré exactement où tu dois aller postuler le 25 juin. Mais une autre question m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, mais avant de postuler, qu'est-ce que celui qui m'écoute présentement doit faire? Comment est-ce qu'il doit se préparer pour ce grand rendez-vous? Donc, le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de te montrer comment est-ce que tu dois te préparer? Quels sont les documents que tu dois avoir en ta possession? Et aussi, comme j'ai dit, comment te préparer? Parce que c'est un, comment est-ce que je vais dire ça? C'est un très, très, très grand moyen pour vous, frères africains. Une très, très grande opportunité, si je peux dire ainsi. Je pense que c'est le mot exact. Pour vous, frères africains, de décrocher cette chance-là d'immigrer au Canada. Donc, soyez vraiment prêts. Apprêtez-vous. Tentez votre chance. Faites plusieurs CV ajustables et plusieurs lettres de motivation. Parce que dans le site où on va, dans le site du gouvernement canadien, eux-mêmes, ils le précisent. Ils disent pour avoir la chance d'être recruté par un employeur. Faites-en beaucoup de candidatures. Donc là, tu comprends qu'il te faut faire plusieurs CV, plusieurs candidatures pour augmenter tes chances. Donc, je ne serai plus trop long ici. On va tout simplement aller voir ce que tu dois faire avant le 25 juin. Comment tu dois te préparer avant cette date-là. Donc, n'attendez pas le 25 juin pour commencer à dire qu'est-ce que je dois faire. Non. Déjà, à partir de cette vidéo, tu sauras quoi faire avant cette date-là. Donc, une fois de plus, si tu es nouveau ou nouvelle, abonne-toi, partage, like, active la cloche. J'en ai besoin pour que ma chaîne survive. Et on se retrouve donc juste derrière ma machine après ce petit générique. Toi qui m'as rejoint ici, une fois de plus, sois la bienvenue. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a ce grand recrutement. Comme je veux que tout le monde immigre, et je veux vraiment que vous-même vous puissiez immigrer simplement, c'est pour cette raison que quand une idée me traverse l'esprit, je dis que c'est mieux que je fasse directement une vidéo pour pouvoir aider les gens et mes abonnés. Donc, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Parce que comme j'ai dit, je peux faire les vidéos chaque jour comme je peux ne pas le faire. Donc je pense que ces temps-ci, je vais faire beaucoup, beaucoup de vidéos. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'idées qui me traversent l'esprit actuellement. Et je ferai beaucoup de vidéos par rapport à cela, juste pour vous aider. Parce que comme je dis toujours, je ne suis pas agent d'immigration. Je ne travaille pas pour une agence d'immigration. J'aide juste les gens à immigrer simplement. Donc, pour ne plus être trop long, on va aller voir ce que vous avez besoin pour votre demande d'emploi. Donc, ce que vous devez avoir absolument pour le 25. On y va comme d'hab sur Google. Je tape canada.ca parce que c'est dans le site du gouvernement. Je ne prends pas mon information ailleurs. Ici, on choisit le français, bien évidemment. Et ici, dans ce site, on clique sur immigration et citoyenneté. Donc, il faut absolument suivre ce que j'ai dit. Quand tu es dans cette rubrique, tu descends, tu descends, tu descends, tu descends, tu descends, tu cliques sur nouveau immigrant. Parce que vous voulez immigrer, vous êtes les nouveaux immigrants, les futurs nouveaux immigrants, on peut dire ainsi. Tu cliques dessus. Et maintenant, tu scrolles, tu descends, tu descends. Après, tu viens sur préparer sa vie et au travail. Préparer, se préparer à la vie et au travail au Canada. Tu cliques ici, ne clique pas ailleurs, sinon tu n'arriveras pas où. Je vais te montrer cette information-là. Tu cliques là. Maintenant, se préparer à la vie au Canada.
tu scrolles, tu descends, après tu viens sur se préparer à travailler. Tu cliques encore une fois de plus dessus. Et là maintenant, quand tu es ici, obtenir de l'aide pour trouver un emploi au Canada. C'est comme c'est écrit là. Donc tu ne crées rien. Tu cliques encore dessus. Comme vous voyez, arriver ici, c'est tout un parcours. Maintenant, voici la rubrique qui nous intéresse. Ils ont écrit des trucs en haut, obtenir des renseignements importants sur les travaux au Canada. Donc toi, si tu arrives ici, tu as le temps, tu peux lire tout ça pour mieux t'informer. Parce que comme il dit toujours, tout se trouve sur les nets. Tout se trouve sur les nets. Prends ton temps, tu fais tes recherches, tu vas trouver beaucoup, beaucoup d'informations sur les nets. Moi-même, les informations que je vous donne ici, je ne crée rien. Vous voyez que je suis en train de les trouver sur les nets. Je viens à partager avec vous. Peut-être toi, tu peux m'encore aller faire une autre recherche et tu trouves une information et m'écris ça même en commentaire. Voilà, frère, j'ai trouvé encore ça, ça, ça. Tu vois, tu peux aussi m'informer. Vous voyez, donc tout se trouve sur le net. Ce qui nous intéresse, donc, c'est on descend, voilà. Présenter une demande d'emploi, c'est cette partie qui nous intéresse. Une fois que vous avez trouvé un emploi qui vous intéresse, donc si tu allais dans Guichet Emploi, dans le Nouveau-Brunswick, dans Québec, dans Montréal, tout ce qui va avec, toutes ces plateformes dans Arima, toutes ces plateformes qui te permettent de trouver l'emploi. Une fois que vous avez trouvé un emploi qui vous intéresse, vous devez habilement présenter une lettre d'emploi, une demande d'emploi en faisant parvenir. Donc voilà. Ce qu'ils nous disent, ils nous disent ici une lettre de présentation qui n'est autre que votre lettre de motivation. Donc ta lettre de motivation doit être prête. Une lettre de présentation qui consiste en une courte description de ce qui fait de vous la bonne personne pour le poste. Comme vous voyez, en une courte description. Donc, évitez d'aller écrire sur un format A4, 4-5, beaucoup de paragraphes. Non. Soyez bref, concis et précis. Parce que, comme j'ai dit, l'employeur n'a que 30 secondes pour checker votre demande. 30, imaginez bien 30 secondes. Si tu as les longs trucs, si tu as les longs tests et tout, il ne pourra pas lire. Parce qu'il a des tonnes de documents devant lui. Le deuxième, c'est ton CV. C'est ton CV. Il s'agit ici également connu sous le nom de CV. Il s'agit d'une liste de vos compétences, votre expérience de travail. Donc, vous voyez, votre expérience de travail primordiale. Donc, l'expérience de travail doit primer sur les autres. C'est ça, c'est ça, c'est ça la clé. Donc, toi, voilà les documents que tu dois déjà avoir sur toi. Et allons-y pour la suite. Après avoir présenté ta demande d'emploi, qu'est-ce qui se passe? Après avoir lu votre CV, votre lettre de motivation, l'employeur décidera s'il vous convoie ou non à une entrevue. L'entrevue est l'occasion pour l'employeur de vous rencontrer, de vous poser des questions afin de déterminer si vous êtes la bonne personne au poste. Vous permet d'en apprendre davantage sur le sujet du poste de décider si vous souhaitez travailler pour l'organisation. Et comprenez bien ceci. Voici la phrase qui m'a vraiment, vraiment, vraiment plu dans cette recherche. La plupart des gens doivent soumettre un CV et une lettre de présentation auprès de plusieurs employeurs avant d'obtenir une entrevue. Vous-même, vous voyez, auprès de plusieurs employeurs. Donc, ne fais pas une demande, tu t'assois, tu dis que non, j'ai fait ma demande, reste tranquille, j'attends. Non. Il faut faire plusieurs. Eux-mêmes, ils le disent. Donc, c'est à toi de faire plusieurs types de modèles de CV ajustables, comme je précise toujours, et des lettres de motivation. Donc, si tu as besoin d'aide, bon, comme je dis, tout se trouve sur le net, j'ai fait des vidéos dessus. Tu peux aller voir comment on fait le CV et tout ce qui va avec. Si tu as toujours besoin d'aide, peut-être pour plus de compléments et tout ce qui va avec, tu peux me rejoindre dans mon groupe Telegram et on va voir comment est-ce que je peux t'apporter mon expérience et mes idées et tout ce qui va avec. Comme je dis, ce n'est pas obligatoire. Si tu peux le faire toi-même, c'est bien. C'est même très, très, très bien. Mais si tu as besoin d'aide, n'hésite pas. Contacte-moi sur mon lien Telegram.
Là-bas, on verra comment est-ce qu'on peut faire pour que je t'apporte mon expérience. Donc, ce qui te reste à faire, tu sais exactement ce qui te reste à faire, si je peux dire ainsi. Prépare-toi bien pour cette date parce que c'est une opportunité vraiment à saisir. Et je pense que c'était tout pour cette vidéo aujourd'hui. C'était juste pour vous montrer encore une fois de plus ce qu'il faut faire avant cette date-là. Et si la vidéo t'a plu, lâche un commentaire, like, partage, active la cloche pour ne plus rater mes prochaines vidéos. Parce que comme je l'ai dit, quand une idée me traverse, je ferai directement une vidéo pour vous montrer cela. Donc on se prend pour la prochaine vidéo et bonne soirée ou bien bonne journée à toi. Ça dépend d'où tu te trouves en ce moment dans le monde. Et on se voit pour la prochaine vidéo. Ciao.